su bebé a la casa. Quiero al mercado sin problema. Así, señora. Salut tout le monde. Salut. Tu me... as fait peur à l'INSEE. O mejor, hola. Hola. ¿Cómo alors... estás dans la casa? Bref, Tony craque. Ich bin Rudolf. C'est bon. Tony craque parce que c'est le dernier jour. Non. Ouais. On a tout rangé, tout nettoyé, tout... Il manque encore la salle de bain parce que c'est la dernière pièce qu'on utilise en... Ouais. Il est que 11h30. On part à 15h30. Donc on a encore le temps, on se tâte pour aller à la piscine. Tu te tâtes? Je me tâte. Parce que concrètement, nos maillots sont encore dehors. Ils sont secs, mais on se demande si en 4 heures, on aura le... nos maillots auront le temps de sécher. Oups. Donc voilà, mais bon. Dans tous les cas, tout est propre, les valises sont faites. Non, non. Même si on a un peu galéré à tout faire rentrer, mais bon, fallait, on n'avait pas le choix. On a dû acheter une autre valise. Qu'est-ce qu'il y a? Pour l'avoir avec nous, pour la remplir de 12 kilos, et malgré ça, nos valises sont blindées. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, voilà. C'est le dernier jour du vlog de nos aventures à Miami. Et ben, on se retrouve à l'aéroport. Et je vous dis à tout à l'heure. Et je vous dis à tout à l'heure. Et je vous dis à tout à l'heure. On vous dit à plus tard. On se retrouvera à l'aéroport, dans l'avion, je ne sais pas où, peut-être à Charles de Gaulle, je ne sais pas non plus. On verra, peut-être à Paris. Donc on ne sait pas encore, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais revloguer. On est encore en suspense pour savoir si nos bagages vont font 23 kilos. Parce qu'on n'a pas... On n'a pas de balance. Donc en fait, si ça se trouve, nos valises font même pas 23 kilos, on est en stress. C'est pas grave, c'est un bon stress. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. C'est moi, hein. T'as déjà dit ça combien de fois là, quoi. Salut tout le monde. Là, il doit être 15h30 par là. On attend 40 même. On attendait là pour lui rendre les clés de l'appartement. Tout est propre. On a tout nettoyé. Enfin, c'était pas trop dur parce qu'on n'avait pas trop cradossé. Tous les jours, on nettoyait un petit peu, donc c'était vachement propre. Et du coup, on l'attend pour lui rendre les clés. Je me suis pas maquillée parce que j'ai pas envie de me maquiller. Tout comme j'ai pas envie de partir, mais... Il pleut, donc pas trop triste, on part sur une note positive, selon moi, parce qu'il pleut, donc ça veut dire qu'on va rentrer chez nous. Mais bon, voilà, regardez un peu. Regardez-moi ça. Il pleut, le temps est gris, et c'est naze. Donc... On rentre chez nous. On a l'avion qui est à 20h, donc on a un petit peu de temps, mais on a voulu prendre un peu d'avance vu qu'on a pas mal de bagages. Ah bah si, Naila, je crois. Et il faut remettre la voiture. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Hello. Comme vous le voyez derrière moi, c'est blindé. Donc s'il faut vraiment que la femme ne dort pas, non. Sinon là on est sur la route, on arrive à l'aéroport dans 12 minutes. Les au revoir avec Naila ont été très durs. Et on est très triste de rentrer, mais bon, on doit rentrer. Et voilà, de toute façon on reviendra, ce n'est que partie remise. Et voilà. Les aventures à Miami sont presque finies. Un loulou? Il est plus affecté que moi. Mais bon. Regardez-moi ce contraste. Ici. Ici. Comment ça s'explique? Coucou tout le monde. Donc là, on est en train de ramener la voiture. On l'a
la quitte. On est trop triste de la quitter. Mais bon, bref, c'est pas grave. On a tous nos bagages. Je vais vous montrer tous les bagages qu'on a. Il y a ma valise, la valise de Loulou, la valise qu'on a dû acheter parce qu'on a trop de trucs, le sac, le... Ça, c'est quoi? Ça, c'est le lit de l'INSEE. Ça, c'est mon sac à dos qui est blindé. Ça, c'est le sac de l'INSEE. Et ça, c'est le sac que je vais avoir à la main. Donc, concrètement, à la main avec nous, on a ça, 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 ça. Et tout le reste, ça va en fond. Donc, voilà. Comment qu'on s'organise, on sait pas. Mais on va aller à l'enregistrement. Et voilà. Donc, à tout à l'heure. Coucou tout le monde. Donc là, on va passer le filtre. Nos bagages ont été enregistrés, enfin. Et on a dû faire magouiller, changer dans les valises. Parce qu'il y en a une qui faisait 26 et l'autre 19. Donc c'est bon, on a enfin réussi. Et là, on va essayer de passer la zone avec notre grosse petite valise. Mais bon, on verra ce que ça donne. À toutes. Il est où le nôtre? Il est là. Ici. Bon, bah, on n'a plus le choix là. Hein? Il faut y aller là. Retour à la maison. Hello. On s'est arrêté au McDo. Et regardez ce qu'on a trouvé. Des apple pie. Les chaussons aux pommes qu'ils ont arrêtées en France. Et franchement, c'est trop du n'importe quoi. Donc du coup, on va se régaler. On a encore 40 minutes devant nous avant l'embarquement. Donc du coup, on mange parce que depuis notre petit déj, on a mangé à quelle heure? On a mangé 9h30. Ouais. 9h30, on a encore rien mangé. Et là, il doit être 19h. 19h par là. 19h passé de 2 minutes. 19h02. Donc on a trop faim. Et j'ai mon nez qui me gratte parce que j'ai un moustique qui m'a piqué ici. Bref. Voilà, bon app. Dernier vlog. Qu'est-ce que tu as à dire? T'as tout. On est à côté d'un bébé qui crie beaucoup. À côté de Tatoun, ça a une terreur. Nous, la nôtre, elle est archi calme. Mais lui, il crie tout le temps. Alors, ça prend mal. Ça promet les 9h du vol. Combien de 9h? 8h50 normalement. 9h. Déprimé, mais bon, tous ces gens qui parlent français là, ça me saoule. Non, c'est pas vrai. Non, je pense que je vais conclure ce vlog dans les aventures à Miami et on se retrouve pour un prochain vlog quand on partira en voyage. On se retrouvera. Et pour l'instant, je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour les vidéos beauté habituelles du mercredi et du dimanche. Non, et du samedi. Je sais plus où j'en suis. Je suis déphasée. Oups. Ciao! Give it to me, I'm